dossier assassinat président Jovenel Moïse, jeudi à la PM Claude Joseph Laguiel sans filtre depuis qu'il est Ariel Henry assassin qui lui-même participé dans le bon Jovenel comme tout article qui sorti dans gros journal et pays les États-Unis montré à clair que Ariel Henry participé et bien dans le bon Jovenel Moïse et bien jeudi à la et nous prenons faute des déclarations Claude Joseph ancien premier ministre pays d'Haïti jusqu'à présent qui continue à bataille dans même l'idée ça pour président joindre justice qui continue à frapper très fort Ariel Henry qui travaille ensemble avec assassin qui touye Jovenel yo et qui bloquait enquête là tout côté une façon pour Jovenel pas joindre justice et bien nous prenons faute des depuis qu'il est Ariel Henry lui-même te et bien a commandé assassin depuis qu'il est Ariel nan montage assassinat ça et jusqu'à 6 pour 7 juillet 2021 qui baille l'an mort terrible président Jovenel Moïse sans nous pas parler trop de détails ou sous TV la caille abonné avec canal la partager vidéo quitter un like n'a pas tourné si vous content travail là pas oublier abonné avec canal la guys et de partager vidéo à une façon pour tout le monde qu'attendait déclaration ça que Claude Joseph ancien premier ministre pays d'Haïti que lui-même il pas le faire dans dossier l'an mort Jovenel Moïse qui croit dans ça les dissensus politique au lieu de consensus parce que j'en suis dit tout à l'heure si effectivement un candidat et il fait campagne et que li rivé on ta capable dit gagne élection par exemple président Jovenel Moïse gagne élection à environ 56% des suffrages exprimés en 2016 les prêté serment en 2017 et tout le monde connaît que et mandat t'a fini en 2022. Mais oligarque vini en formule de dernière heure pour dire président mandat a fini 7 février 2021 et nous connaît c'est pas en coïncidence que oligarque politicien traditionnel yo vini avec une thèse que mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2021 mais c'est 7 février 2021 tout était planifié pour assassiner il était planifié pour assassiner un groupe mon justice là on est capable dire des juges d'un cours de cassation t'a préparé un assassinat pour le président Jovenel Moïse. Comme, eh bien, bah, ça a été déjoué, mais tout le monde dit que le président Jovenel Moïse, c'était menti d'affaire. Les gens arrêté les gens qui ont participé, ils ont participé à l'assassinat. Ils ont dit c'est une montagne, etc. C'est persécution politique. Nous connaissons ça. C'est même gens tout. Si ils ont pas tué le président Jovenel Moïse 7 juillet 2021, eh bien, je t'ai dit tout, c'était montage président d'affaires, c'est lui qui fait groupe, mais ce n'est pas entrer dans le pays pour lui faire un montage sur assassinat, etc., pour le capable faire répression politique. Donc, thèse 7 février 2021, il n'y a pas une thèse qui est simple parce que tout le monde connaît que le président Jovenel Moïse était prêté serment 7 février 2017. Donc, c'est dans 5 ans, le mandat président a fini, c'est 7 février 2022 le bralé. Donc, il vient avec Tessa, il t'a participé un non-complot assassiner physiquement, mais également démoraliser le président, démotiver et assassiner caractère pour qu'il soit capable de joindre les gens qui ont besoin 7 juillet 2021 pour te faire assassinat ça sous lui, je ne tout connais. Maintenant, et effectivement, et problème dissensus politique là n'est pas accepté alors que son principe dans la démocratie alliée n'est pas accepté dans la politique en Haïti ya. Mais une raison Hébert qui a fait nous comprendre ça c'est parce que majorité politiciens en Haïti pour me pas dire 95% là-dedans c'est de politique seulement yo vivent c'est-à-dire les nèg la vivent de politique li pa gon l'autre métier li pa gon l'autre profession capable faire c'est exclusivement politique li capable faire. Et eh bien, nèg sa, li pa d'accord pour le faire 5 ans de yon. Le nèg la resi ouè que le nèg la pa d'accord pour le faire 5 ans de yon, pratique la kounia, c'est instabilité politique. Donc, fok toujours gen instabilité politique, fok Jovenel Moïse toujours bralé, fok que gouvernement toujours instable, seule façon pour karele, pour dire, ah, mon cher, nèg sa ki la, fok nou rele monsieur, si nous besoin garder instabilité ya, parce que et nèg ça c'est lui qui a mis instabilité à comme ça donc moyen nèg la gagne s'il gagne cop nan men c'est gang li ka paye pour gang kidnapper moun donc c'est ça la fait gang yo a continuer kidnapper moun yo dit président pa ka adresser problème sécurité a faut aller donc instabilité donc on y a faut courir les nèg ça yo et mais c'est comme ça président Jovenel Moïse constamment après les moun
constamment après les moun. Comprendre comment côté la moun absoti, oui. Président constamment après les moun, j'en dis à c'est des Argentins. Président constamment après les moun, j'en dis à c'est pas des moun qui pral loyal avec lui. Li après les moun jusqu'à ce que l'après les criminels yo. L'après les assassins yo. L'après les yo jusqu'à ce que l'après les tout. Ouais, donc qu'on y a les présidents qui vont dernier côté. L'Elvire de Edol, c'est pas Zami qui avait elle. Chef sécurité, c'est pas ou même qui vient avec elle. Moun kap bon sécurité, c'est moun qui ba ou yo. Donc, moun kapap dou, dans toute difficulté, moi même qui te ministre affaires étrangères, moun qui te chef sécurité, c'est un jeune garçon que m'te nan mouvement étudiant sa mavel, li te fait choix pour la dans la police. Donc, c'est lui qui te chef sécurité, parce que c'est moun qui ba y tête moun li. Vous comprenez? L'envin ministre, l'envin premier ministre, c'est lui même qui toujours été. À un moment de la durée, c'est Tifrem qui vient chef sécurité. Donc, parce que ou pas, c'est pas moun qui boit bas au chef sécurité, etc. Donc, ça, c'est entre autres, hein, c'est entre autres de bagailles qui, m'était capable de dire, et fait nous arriver dans 7 juillet 2021, qui aboutit à assassinat crapuleux et président Jovenel Moïse, parce que effectivement, li nommé un premier ministre, et m'était capable de dire, le 5, yo assassiné le 7. Et nous apprenons, d'après révélation qui sorti dans New York Times, plan c'était pour et un coup d'État. C'est-à-dire un coup d'État, mais dans l'année du 6 qui passait de coup d'État à assassinat. Qu'on y a fait nous poser tête nos questions. Comment fait un président nommé un premier ministre le 5, yo assassiné le 2 jours après, 48 heures après. Mais comment fait un jour avant li passé de coup d'État à assassinat. Est-ce que nous comprenons? Donc ça, yo, et c'est des bagages, je pense que qui voyait nous réfléchir et nous commencer à comprendre essentiel dans le rapport de CPJA, qui montrait que le premier ministre que le président a choisi, il parlait deux fois dans le matin avec le monde qui était responsable opération crime. Lan. New York Times dit nous que, avec CNN dit nous, que quelques mois après, malgré Joseph Félix Badiou gagné un mandat de yel, eh bien, premier ministre Ariel recevoir la Kaili. Donc, moi pas dit là que c'est premier ministre Ariel qui assassiné président Jovenel Moïse, mais les bizarres, coïncidentiaux, coïncidence pour parler avec moun qui assassiné président deux fois dans matin, pour malgré le mandat de yel pour recevoir la Kaili, et c'est lui-même. C'est primature, d'après ça, nous tendez, qui a baillé, souvelé, protection avec criminel, yo, particulièrement Joseph Félix Badiou. Donc, ça, yo laisse nous croire, nous tourner dans la thèse Bétoua, que, et dans la thèse et Bétochouan, que Argentin, ça, yo abouti, évidemment, à assassinat président Jovenel Moïse, très probablement, dans la nuit 6 pour le 7 juillet 2021. Voilà. Moi, j'ai une question pour le docteur. C'est Jimmy, mon affaire Bon TV. Et pendant que nous avons une question de sécurité, docteur Claude Joseph, est-ce que, sincèrement, je connais des choses qui ne peut-être pas dit en public, est-ce que le président Jovenel, tu qu'on apprécie voir en pile menace, en pile pression? Ça, c'est la première question. Puis, deuxième question, et avec expertise au docteur, pour qui raison nous FBI en train d'un pays, hein? Nous international, supposément yo di a pédé avec enquête là, nous yo continuer à supporter Ariel Henry jodi là avec expertise au docteur. Est-ce que président Jovenel te qu'on a recevoir pression et menace et surtout pour qui raison jodi là nous enquête là bloqué, li pou capable avancer pour qui raison international là kembe Ariel Henry dans tête pays? Et moi-même, ça me capable de dire, président Jovenel Moïse, pas de besoin de dire que la recevoir menace à question pour m'affirmer que la recevoir menace à question, parce que c'est un monde qui a bataille contre des gros intérêts en un pays. À plusieurs reprises, il parlait, par exemple, moi prends et plaisir, ou bien pas qu'on est, pour des raisons, et le soir pour m'attendre tout discours président Jovenel Moïse. M'attendre, qui a expliqué comment, depuis un président voulait un bagarre dans le pays, il a assassiné. Il a commencé avec Jean-Jacques Dessalines, il a passé par Salnave, bon, il prend et sauve le président qui a été assassiné en 1915 ans,
li monté et a dû m'assassiner que pas assassiner mais on était capable dit comment et monsieur était fini etc. Donc président était conscient que oligarque yo depuis gon monde qui a fait de bagarre qui bien dans pays a et ben résultat c'est assassiner il était arrivé sur Aristide et tout par exemple il montrer que Aristide prend coup d'état etc. parce que évidemment il est venu des plans pour échanger et pays a. Donc et tout ceci pour me dire que président était conscient de menaces et il était conscient de incidence ou bien impact et qui a gagné sous ville même bataille que il t'a mené. Et moi même capable de dire à la dernière minute m'pas quoi c'est à guetter de cœur que président t'ait choisi un premier ministre. Moi pas senti c'est à guetter de cœur, t'ai gagné pile pression et peut-être dans une certaine mesure mon qui t'a fait pression yo gen doit pas te connaître que bagay ça t'a pas arrivé mais gen doit gen te connaître parce que j'en nous connaît gen mon en gros parti politique qui jusqu'à maintenant gagné mandat de yo mais yo te fait un bon pas tant yo t'a parlé avec président Jovenel Moïse pour yo démontrer Jovenel Moïse que ou doit gagner quand Ariel comme premier ministre. Donc ça veut dire qui ça, ça veut dire que président même s'il était président gon moment arrivé l'obligé céder à pression parce que le gen petit le gen madame et li vle rete dans pays après. Donc ça veut dire que moi même s'il pas dit ni textuellement mais est moins capable et capable dit déduire que pour le président li t'a fait face avec des situations qui difficiles. Deuxième volet question et PM et c'est concernant et enquête là FBI vini international là montrer que li là dans la travail sur lui mais pas gagné vraiment que sorti. Bon et moi-même moi voulais comme homme d'état souvler rester à suivre moi je nous connais me faire un pile démarche pas oublier que l'emté premier ministre tout ça qu'a fait là c'est moi-même qui initié yo pour FBI entrer dans cause c'est moi-même qui écrit yo et faut nous pas oublier parce que me toujours quoi justice haïtienne là la difficile pour bail président et me capable dire justice étant donné que go et oligarchio mettait justice à ce coup réglé, il mettait ce coup réglé. Donc ouais que un moment des FBI il est là d'ailleurs tout mon Noël pour y venir dire. Mais deux m'écrit Nations Unies pendant le ministre affaires étrangères ça me pas pour le ministre encore non puisque me dépasser pour voir avec Ariel moi mandé Nations Unies pour y camper un tribunal spécial même j'ai été fait Liban après et premier ministre Liban et premier ministre Libanais a été mort en et été assassiné en 2005 14 février 2005 moi mandé pour camper un tribunal spécial mais yo pas camper tribunal spécial là pour qui ça pas camper parce que Ariel Henry mandé madame Lalim fonti sur soir sur demande ça Claude Joseph fait. OK donc pour tout ça qui fait dans enquête là côté lié jodi a et faut nous féliciter les enquêteurs de la DCPJ qui effectivement là t'a travaillé sur leadership moi pas jamais un jour fait pression sur yo moi pas jamais mandé côté enquête là parce que moi pas veut interférer dans enquête là contrairement avec Ariel Henry qui relait Claude Bedford qui relait ancien ministre justice al dit yo depuis n'a émettre mandat faut me connait avant faut nous comprendre parce que bagaille yo clair si gen moun qui gen des intérêts individuels qui gen ti des intérêts mesquins qui besoin boucher genou pas nous même de toute façon nous ouais boucher genou pour pas ouais implication présumée premier ministre actuel là dans bail là donc yo gen droit pas mais vérité on pas cacher. Écoutez Ariel Henry non seulement révoqué Bedford Claude Ariel Henry révoqué ministre justice parce que il a demandé pour la répondre question la justice mais également Bedford Claude ministre justice là Ariel Henry relé pour dire nous pas li pas d'accord pour émettre des mandats comme ça sans le pas connaît comme lui-même c'est premier ministre li fait pression sous moun sa yo parce que moun sa t'a émettre des mandats pas pour sous qui est émettre des mandats des moun qui dans parti politique même parti politique avec Ariel Henry ou bien de moun qui sorti dans PHTK par exemple donc l'aime dit PHTK tout moun connaît par exemple président PHTK te gon mandat et sous dol d'elle donc l'op parler parole sa connait ya j'aime te dit tout à l'heure qui ça et tout oligarque dit reste avec oligarque et ben monsieur a parlé comme ça parce que m'a prêté du doigt oligarque m'a prêté du doigt et m'étais capable dit moun qui dans l'état actuellement là
qui a des responsabilités dans le crime, il faut que répondre et avec la justice. Et mais je dis, mon cher premier ministre, et ou pas qu'à parler là, vous êtes chef CSPN. Réponse-moi encore, président Jovenel Moïse, t'es président, yotouyel. Président, t'es président, yotouyel. Voir moi-même qui t'es chef CSPN, pour t'as supposé que moi, pral konon, pral touye président. Mon président, s'il te konon, nous pral touye, il va dominer la joie. Donc, moi-même, qui a demandé justice, tentative pour décrédibiliser parole, moi, vous comprenez? Ou pas qu'a dit que m'te chef CSPN. C'est parce que assassinat, c'est un assassinat qui était bien planifié. C'est un assassinat qui était bien planifié. Oligarchio, politicien traditionnel, yo, moun qui pas assassiné caractère président pendant 4 ans, eh bien, yo abouti à assassinat physique 6 à 7 juillet 2021. Donc, c'est exactement ça qu'on fait. Donc, pour l'international, j'aime dire là, et tant vous vérité, moi crois que moi voulais rester à suivre et parce que démarche moi par exemple et heureusement qu'il y a un pile ministre affaires étrangères me capable avec vous, me continue à parler avec vous, particulièrement sur enquête là parce que je connais que son bagage qui est extrêmement important pour moi. Donc ma